Malgré sa courte durée de vie, la Dreamcast reste le symbole d'une époque où la créativité de Sega était à son apogée, les développeurs de la firme ayant eu carte blanche pour donner naissance à des expériences vidéoludiques hors normes. En seulement 2 ans, la console à la spirale a bénéficié d'une ludothèque riche en jeux innovants et ambitieux. Seaman, Jet Set Radio, Shenmue, Metropolis Street Racer, tous marqueront durablement l'histoire de leurs genres respectifs. Dans le domaine du RPG, assez peu représenté sur Dreamcast, il existe une œuvre que personne n'a oubliée, Skies of Arcadia. L'histoire de Skies of Arcadia, ou Eternal Arcadia au Japon, commence durant l'ère 32 bits. En 1997, le lead designer Mukaiyama Toshiyuki travaille à l'élaboration d'un jeu de rôle se déroulant dans un univers d'heroic fantasy. Ses travaux, qu'il réalise en parallèle de ses autres projets, sont destinés dans un premier temps à la Saturn. Mais après quelques semaines, le créateur est invité à transposer ses idées sur le futur hardware de Sega. Cette nouvelle console représente une dernière chance pour la firme, et c'est tout naturellement que les développeurs de l'entreprise sont mis à contribution. Tous les projets, quels qu'ils soient, sont étudiés afin d'offrir à la future machine une ludothèque conséquente. Très vite, la productrice Kodama Lieko, une personnalité emblématique de Sega, décèle le potentiel du jeu de Mukaiyama Toshiyuki. Elle fait alors appel à Tanaka Shuntaro, un habitué du genre RPG, qui sort tout juste de la production de Sakura Taisen. Le trio prend la tête du projet, qui entre officiellement en production sous le nom Project Ares. Lors des premiers mois de production, l'univers Heroic Fantasy est remplacé par des continents volants inspirés du Château dans le ciel de Miyazaki Hayao. Les personnages, quant à eux, prennent les traits de pirates au grand cœur qui volent les riches pour donner aux pauvres. L'accent est alors mis sur l'exploration et la découverte d'îles célestes aux multiples facettes et dangers. Le jeu est ambitieux et pour mener à bien le développement, l'équipe se renforce avec des transfuges de Panzer Dragoon Saga ou encore Phantasy Star. Le 6 août 1999, lors d'une conférence dédiée à la Dreamcast, Sega annonce que le Project Ares devient Eternal Arcadia. Une vidéo de présentation est diffusée et la pression monte d'un cran pour l'équipe qui sait qu'il s'agit d'un titre majeur pour la console de Sega. Tanaka Shuntaro, en charge de l'élaboration du scénario et des dialogues, va même jusqu'à acheter de nouveaux CD de musique toutes les semaines afin d'évacuer le stress et pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Eternal Arcadia s'inspire de la légende de Robin des Bois, mais aussi de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, et il serait très étonnant que les développeurs n'aient pas été influencés par l'œuvre de Matsumoto Leiji, créateur du Capitaine Harlock alias Albator. Devenu Skies of Arcadia en Occident, le jeu raconte les aventures héroïques de deux jeunes pirates de l'air, Vice et Aika, qui amèneront le joueur à explorer le monde afin de lutter contre l'hégémonie de l'Empire Valuan. L'intrigue gravite autour du personnage de Fina, une femme mystérieuse qui cache un lourd secret. Portée par des protagonistes charismatiques, l'histoire de Skies of Arcadia enchaîne les rebondissements. Le jeu s'articule autour de 3 axes principaux, l'exploration à pied, les voyages en bateau et les combats au tour par tour. La réalisation des phases d'exploration n'a pas posé de gros problèmes aux développeurs, mais celles-ci ont nécessité de longues recherches en matière de climat, de faune, de flore et de coutumes. La vraie force du jeu est d'amener le joueur dans des contrées très variées, faisant de l'aventure une découverte perpétuelle. A contrario, la réalisation des phases en bateau a été un casse-tête pour les programmeurs. Durant ces séquences, le joueur évolue en toute liberté dans un univers en 3D et il se repère à l'aide des indications de ses partenaires ou de la boussole. Il a également fallu beaucoup de travail pour concevoir les combats aériens. Ces derniers, au tour par tour, utilisent de nombreux angles de caméra et effets visuels pour apporter du dynamisme. À la manière d'une partie de bataille navale, le joueur positionne ses attaques sur une grille en fonction des armes et des personnages. Ces batailles ont été ajoutées à la toute fin du développement, mais elles apportent une pointe de stratégie supplémentaire et diversifient l'expérience de jeu. Elles sont également l'occasion d'admirer le design très poussé des navires volants. Le jeu comporte en effet plus de 80 modèles différents. Cette variété visuelle se retrouve également dans les combats au corps à corps, pour lesquels les designers ont créé plus de 150 créatures, en prenant soin de garder une cohérence avec l'environnement que chacune d'entre elles occupe. Par exemple, dans un climat désertique, les monstres cherchent à se frayer un chemin dans le sable pour éviter de perdre trop d'eau. Dans les zones plus froides, les bestioles sont poilues afin de résister aux températures hostiles. En matière de gameplay, Skies of Arcadia adopte les mécaniques classiques d'un RPG japonais. Les rixes se déroulent tour par tour avec un menu permettant d'accéder aux différentes commandes. La seule petite originalité provient des artefacts permettant de changer les propriétés des armes. Cette modification se traduit par un changement de couleur et altère les capacités de l'arsenal des héros. Les combats de Skies of Arcadia ne sont donc pas des plus originaux et manquent parfois de dynamisme, mais ils restent intéressants en particulier lors des affrontements contre les boss.
That was easy. Long, passionnant et très bien écrit, le jeu de Sega est l'un des titres majeurs de la Dreamcast, et sa réalisation est particulièrement impressionnante pour l'époque. Les développeurs, bien aidés par les librairies d'effets de la console, ont pu laisser libre cours à leur imagination, proposant des environnements colorés, une 3D fine et détaillée et des personnages expressifs. Par ailleurs, l'équipe a longuement travaillé sur le système de streaming. Ainsi, lorsque le joueur visite une ville, le programme charge les différents bâtiments en continu. C'est l'une des raisons qui explique la quasi-absence de temps de chargement. Enfin, il serait dommage de ne pas souligner l'excellence de la bande-son. Signée Minobe Yutaka et Maeda Tatsuyuki, cette soundtrack de 67 morceaux s'inscrit parfaitement dans l'esprit aventureux du jeu et offre de superbes compositions, tour à tour intimistes et épiques. Skies of Arcadia, en plus d'être une performance technique et artistique, offre par ailleurs une ribambelle de petites sucreries, comme par exemple PintaQuest, un petit programme qui était utilisable avec la VMU, la célèbre carte mémoire à écran de la Dreamcast. Ce jeu bonus est absent de la version GameCube, Skies of Arcadia Legends, sorti en 2003. Si certains pourront reprocher à Skies of Arcadia certains aspects trop classiques, ce JRPG est l'une des grandes réussites du genre et aurait amplement mérité une suite. Pendant un temps, il fut question pour Sega de ressortir une édition HD, mais cette réflexion n'a jamais été plus loin que des notes dans un cahier. Depuis peu, certains bruits de couloir suggèrent que Sega serait potentiellement intéressé par la réalisation d'un remake. Il ne reste plus aux Pirates du Ciel qu'à espérer que celui-ci se concrétise pour de bon.